Bonjour. 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 Ça va, capitaine? Ça va. Appelez-moi Rémi. Bon, on peut s'accrocher à ça, c'est fait pour. Bienvenue. Merci. Hop. Ça me change des bateaux des Antilles. Ah, bah voilà. Alors déjà, je voudrais commencer par un truc, dire il pleut en Bretagne, c'est faux. Faux. Faux, faux, je veux dire, on est bien là. Est-ce, déjà, pour commencer, situe-nous où on est, parce que j'aimerais que tu me dises, bon, la dent du Guignol, le massif de la Grande. Moi, je suis plutôt dans les montagnes. Hein, alors, on est dans le golfe du Morbihan, on a Arado à gauche, Séné à droite, et Dard derrière, donc au plein milieu du golfe. On a répété 3 heures pour ces trois noms d'îles. Il ne connaît rien à la navigation, c'est pas grave. Bon, toi, tu es né à Vannes. C'est ça. Donc, tu es un pur produit... De Vannes. De Vannes, ouais. Parents bretons, bretons. Breton. Et normalement, breton, rugby. En Bretagne, on parle plutôt de bateaux, de pêche, beaucoup d'alcool. On le sait, les bretons, ça a tendance à taper un peu dans la gourde. Mais du rugby, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Donc, tu vas au rugby à quel âge? Je commence en minimum au RC Vannes. C'est... 10 ans, parce que 2006, 10 ans. Donc que... Donc t'es monté, enfin déjà dans les catégories. C'est ça. Tu joues en première à quel âge? 18 ans. 18 ans. Tu te rappelles de ton premier match? Je me rappelle mon premier match amical avec la première, hein, contre Massy. Ah, contre Massy. Contre Massy, ouais. Je crois qu'on gagne. Ouais. Ouais. C'est un bon, ça reste un bon souvenir. Ça reste un très bon souvenir. Et raconte-nous un peu cette année folle qui s'est passée l'année dernière et ce fameux match et cette accession. Bah, alors qu'un petit voilier passe derrière nous. Bah, c'était une super année. À vrai dire, on n'avait pas coché la montée, mais on s'était dit il faut terminer premier de poule. On savait qu'on pouvait faire. On avait une équipe qui... C'était pas l'objectif, défini en début de saison. De monter, non. Non. C'était pas l'objectif numéro un de monter. Mais match après match, on jouait bien. On a vu que c'était possible de faire quelque chose. Confiance qui ça. C'est ça, confiance. On gagnait quasiment tout. On s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et arrivé match d'accession, on gagne à Massy d'un point. Et on s'est dit, bon, bah, à la maison, on peut pas laisser passer l'occasion. Quoi. On a tout gagné à la maison, donc il nous reste un match. Et puis on l'a fait. Quoi. On l'a fait. Et après, comment ça se passe donc, recrutement, est-ce que la mairie a suivi, il y a du subvention? Il y a l'oseille parce que bien sûr, hein, maintenant dans ce monde professionnel de rugby, on parle beaucoup d'argent. Comment s'est passé l'intersaison? Parce que c'est tout frais là, c'est il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois. Bon, déjà, on a fait une petite semaine de fête quand même. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Après une dure année, on a décompressé. On a eu un mois de vacances. Et c'est reparti le 20 juin sur la saison de Pro D2. Vous attaquez la saison, premier match, bingo, on gagne à la maison. Bingo, on gagne à la maison, 22e victoire consécutive à la maison. Ça commence à faire. Mais on gagne. Où allez-vous vous arrêter? Alors quel est l'objectif? C'est le maintien, j'imagine. Objectif maintien. Ça a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, cette victoire, ce premier match de Pro D2, parce que j'imagine on ne sait pas trop où on va hein, quand on arrive dans le monde professionnel comme ça et tout. Et comment tu sens l'ambiance? Comment tu vois la saison à venir? Forcément difficile, parce qu'on passe d'un championnat à 15-20 matchs à un championnat à 30 matchs, donc ça va être long. T'es pas obligé de contracter les biceps. Non, j'ai peur un peu sur le bateau. Ça va être long, ça va être dur, on sait qu'on va perdre. Ça, faut pas. Voilà. Les meilleurs perdent. On sait qu'on va perdre, donc il faudra être mobilisé tous les week-ends pour faire un gros match le vendredi soir et aller chercher le plus grand nombre de victoires. Mais oula, ça balance. Je vous rappelle qu'on est sur un bateau. Bon, t'as 23 ans, t'es jeune. Hein, je veux dire, j'ai que 2 ans de plus que toi. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Bah, on prenait deux avec RC Vannes. Parce que, apparemment, au RC Vannes, tous les 10 ans, on monte de catégorie. Donc, c'est dans 10 ans? Il y a 10 ans, on était en Fédéral 1, il y a 20 ans, on était en Fédéral 2. Donc, peut-être dans 10 ans, top 14. Mais... Ouais. Donc, toi, t'es attaché à ta terre? Je suis très attaché à ma Bretagne, à ma vie de Vannes. Et... T'as signé un contrat de 5 plus 7 plus 10 ou... Non, malheureusement non, mais si je pouvais signer un CDI, je signerais un CDI. Ouais. Les études? Les études, je suis à fac à Rennes,
Non, mais t'es inscrit à la fac à Rennes. J'ai eu mon année l'année dernière, ma première année de fac. Donc une grande première pour moi. Donc il y a la deuxième. Ouais, la deuxième tu cette vois année. Ça comment tu... Sors avancé quoi. Ouais. Je me vois avancer déjà pour l'année universitaire. Donc, donc t'es en deuxième année de STAPS. De STAPS, d'accord. Donc après, c'est le but c'est de faire quoi? Tu voudrais faire kiné? Ah, idéal, kiné. Je sais que tu m'as dit, t'as la passion, t'as le sport, mais bon, il y a aussi les gonzesses, la gente féminine. T'es encore pas calé dans ta vie, hein? T'es... Non. Mais tu te vois plus tard, papa, des enfants, c'est un truc que tu penses pas du tout, tu as envie, non? J'y pense pas encore, mais non, forcément, ça... si, c'est... Bah, c'est la suite logique d'un, ouais, d'un vie d'homme, je pense, d'avoir des enfants, mais pour l'instant, je prends la vie comme elle vient. Ouais. Je prends les filles comme elle vient. Si jamais ça vous intéresse, hein, on va faire apparaître son numéro ici. Vous le contactez, il est dispo. Donne-moi ton avis sur ce rugby pro. Même au RC Van, t'as du Fidjien, du Sudaf. Je veux dire, vous êtes mis à la page. T'as combien de Bretons, des vrais Bretons? Au club, tu vas avoir 6 Bretons. 7 Bretons, bon, ça va. Faut pas moins. Faut pas moins. Bon, c'est l'identité Breton. Du club, elle est quand même là. Elle est préservée, on sait, avec plus, votre coach. Plus c'est coach, oui, ouais, bien sûr. Voilà. Non, l'identité est toujours ici. Bah, les présidents, ils sont dans la région, enfin voilà. Il y a des crêpes à toutes les collations. Il y a de la bière à la fin du match, donc... Moi, j'ai envie de dire bravo. Donc, non, identité RC Van, bravo. Il y a des crêpes et... Je vais te laisser conclure le mot de la fin, mais il faut que ce soit en breton. Hein, parce que t'es né ici, breton, donc tu parles en breton. Démerde-toi, c'est à toi. Bah, merci d'être venu en Bretagne. J'espère que vous y reviendrez. Et Kenavo, hein.